comment se débarrasser aisément d'ennemis se trouvant dans le bunker. Là, on se retrouve dans une situation où il y a mon mate et moi qui veulent rentrer dans le bunker. Sauf que des ennemis nous y attendent et veulent aussi sortir. Pour preuve, ils sont juste devant, prêts à sortir. Parce que littéralement, bah, c'est leur seule sortie ici. Techniquement, t'as beau les spammer, t'as beau tout faire, tu peux pas les faire sortir d'ici. Mais avant que je vous montre ce qu'il faut faire, il faut se rappeler de qu'est-ce qu'il y a dans le bunker déjà. Bon, pour commencer, voici la carte de tous les emplacements. On peut voir qu'en recul, que ça fait quand même un beau rond, à part celui-là. Ensuite, il faut savoir que ces bunkers enchaînés ne s'ouvriront pas de toute la partie. Comparé à celui-ci où effectivement il n'y a pas de chaîne. Au bout de 8 minutes 30 à partir du moment où le puce a apparu, si il est pas vous embêter, c'est à partir de la troisième tempête comme c'est écrit ici. Le bunker va s'ouvrir en faisant ce bruit là. Ça vous le pingera automatiquement sur la carte comme les caches. Et ben vous aurez accès non pas à un coffre, non pas à deux coffres, mais à trois coffres mythiques. En plus de vous donner un total de quasi 500 d'or, vous avez accès à des armes et l'établi pour les améliorer. Et après avoir vu tout ça, vous voulez savoir maintenant comment se débarrasser des gens qui sont dans le bunker. Et ben ça maintenant avec l'éclair de Zeus, vous pouvez littéralement leur foudroyer à travers les builds, ce qui va être très simple pour les éliminer.